Bonjour monsieur Léo. Bonjour monsieur. Tu vas bien? Bah oui. Et toi? Bon. Eh ben écoute. Ouais. 2 mois sans voler. Quelques tours de piste, ça fera pas de mal. Si on a de la chance, vole la semaine prochaine et dans 2 semaines. Si on a de la chance. Sinon, ça sera pour le mois de mars, avril. Avec la météo. Ouais, tout à fait. Bon, allez, casque sur les oreilles. Le siège est bien fixé. La caméra tourne, elle tourne. Celle-ci, on la met plutôt comme ça. Voilà. Et l'audio tourne. Alors, qu'est-ce que je vais avoir oublié? Qu'est-ce que je vais inventer? Mise en route, visite prévol, barre de traction, document pilote, le ramètre. Je l'ai vérifié et noté siège, frein de parc. Serré, réchauffe carbu. Ok. Mixture, les taux, les servitudes, tout est off. C'est off ici aussi. L'avionique master, les fusibles, les disjoncteurs, ça m'a l'air d'être bon. Autonomie. Donc, le pilote avait fait le plein, il a volé 1h06. Ça va pour 3/4 d'heure de tour de piste, ça devrait aller, ou 1 heure. Voilà, les alarmes. Ok. Balise de détresse armée. Feu anti-col sur on, verrière tiré verrouillé, non verrouillé, je te... ceinture non attachée, le moteur, bon il va être tiède le moteur, là ça fait 2 heures. Ouais, mais tu peux faire un... ouais, on va faire 2 injections, ça suffit. Non, on fait un froid. Un froid? Ouais, ouais. D'accord. Okay. Regarde, ta tempé d'huile, elle est redescendue. Ah oui, température, là, tu vois, elle est basse. Effectivement, donc on va faire 5 injections, 1 cm, etc. etc. On récupère les commandes, on verrouille, magnéto donc, 1, 2, 3, yes. T'étais au Briefenco? Et puis... Ah bah oui, t'étais au Briefenco. Oui. Ah oui, bah oui. Voilà. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, ici, personne devant, les pieds sur les freins, 3, 2, 1... Je l'ai relâché, il tourne encore. Ouais, en fait, il a un problème en ce moment. Ah, d'accord. Avec les températures, ouais. Il a du mal à démarrer. Allez. Ah, effectivement. Là, tu vois, il n'y a plus d'essence dedans. D'accord. T'entends le bruit ouais, un peu vide. Ouais. Tu vois, il n'y a rien, il tourne juste dans le vide. Donc, 5 injections. Ouais. Du gaz. C'est particulier là finalement. Oui, on est en train de chercher la solution au problème. D'accord, donc là c'est dû à quoi alors ça? Enfin, alors, c'est à peu près identifié. On avait peur que ce soit un mélange trop pauvre. Ouais. On avait peur que ce soit un mélange trop riche. Il s'avère que quand on change de technique pour le faire démarrer, ben, ça change pas tellement. Pas d'amélioration, qu'on aille chercher un mélange, enfin tu sais, qu'on mette plus d'injection, ouais. Au cas où le mélange est trop pauvre. Pour te dire, l'autre jour j'ai fait 7 injections, c'était le matin, j'ai fait 7 injections, ouais. Démarrer, il n'a pas voulu démarrer, la même chose. Du coup, moi je me suis dit, je lui ai mis trop d'essence, je vais faire un démarrage moteur noyé. Donc, ouais. Mixture pour bah, ouais. Le plein gaz et le démarreur. Et après, tu sais, tu remontes ta mixture quand il commence ouais. à partir. Ça n'a pas marché. J'ai refait 5 injections derrière. Et là, il est parti. D'accord. Alors, le problème de ça, de faire des injections quand tu. Quand tu. Quand
t'arrives pas à le démarrer, c'est qu'au bout d'un moment, bah, tu risques d'avoir trop d'essence. Ouais. Ou si t'as trop d'essence pulvérisée, bah, il pourrait prendre feu. Ou si jamais ton moteur est chaud, t'as ton essence qui retombe un peu là, et tu peux avoir des feux de carbu. C'est assez bah, comme au Briefenco de Clément. C'est expliqué, ouais. Et c'est ça le risque. Mais il faut qu'on trouve une solution au problème parce que ça nous pend pas au bout du nez, mais j'ai beaucoup de brevetés là qui font énormément d'injections et ils savent plus trop où ils en sont et ça peut être dangereux pour l'avion et pour les brevetés. D'accord. Donc non, on est en train de chercher parce que la méca, les mécanos nous ont un peu guidé sur bah, essayer de regarder ça. Bon. Voilà. D'accord. Mais ça marche qu'au démarrage. Et l'idée c'est de pas faire trop de démarrage non plus parce que l'alternateur, le démarrage, ah bah, oui, surtout le démarreur qui prend... J'ai compté, tu sais, je commence à compter des secondes au bout d'un moment. Et là tu te dis, ok. Bah tu fais bien. Et d'ailleurs ce qui est étonnant c'est que finalement même quand je l'ai relâché... Oui, c'est pour ça, c'est ça qu'on n'arrive pas à... C'est comme si t'appuyais quoi, exactement. Tu te dis, attends, j'ai arrêté d'appuyer, gars. C'est ça qu'on n'arrive pas à comprendre, c'est parce qu'il continue de tourner comme s'il y avait un petit peu d'essence. Et je me demande si dans le carburateur, tu sais, il n'y aurait pas un peu de pollution de plomb ou je sais pas quoi. Alors ça m'étonnerait, mais c'est un peu de pollution qui ferait que le jet n'est pas complet. Ouais. Et qu'il faut vraiment que tout soit chaud et pour avoir des bonnes vapeurs, je sais pas. D'accord, donc là il y a un bon mystère là, même au niveau mécanique. Quoi. Ouais, complètement. C'est étonnant. Bon, complètement. Faudrait ouvrir le carbu, mais là, c'est pas mon boulot, j'y touche pas du tout. Oui, pas là, faut voir avec les. Faut voir avec les experts pour ça. C'est clair. Bon, alors, on est plutôt sur du. Voilà, ici. Bonjour, véhicule de piste du bloc technique vers Tango 2. Véhicule de piste, tu peux rouler, quitte à Paris-Aéro. Je roule et je quitte Paris-Aéro, véhicule de piste. Ah, finalement, ils sont là Visiblement. Ben oui. Ok, ben c'est bien. Donc on a dû mettre en route, ça fait 4 minutes, donc ça serait 58. J'essaie d'écouter la tise, voir quand même. Ouais. Vent sol 130 degrés, 12 nœuds, visibilité 10 km, température 18, Québec Tom Motel 1018, unité 0, unité 8, aujourd'hui couché du soleil 17h10 UTC. Au premier contact, confirmez l'information, hôtel reçu, merci. Good day, this is hotel information, recognize point 1200 UTC, runway 08 news, caution, bird hazard. 08 en service, voilà. Ok, très bien. Bon, voilà. On ira voir ça tout à l'heure. À toi de jouer. C'est reparti. On est en novembre Alpha. Venez sol du novembre Alpha, bonjour. Novembre Alpha, sol, bonjour. Venez sol, first gauche, novembre Alpha, DR 400, deux personnes à bord, information Alpha reçue. Demande de roulage, non pas Alpha, une reformation reçue, demande de roulage pour des tours de piste, si vous voulez. Novembre Alpha, roulez, point d'attente 08 dur, rappelez prêt. Je roule 08 dur, je rappelle près, novembre Alpha. Ben voilà, je l'avais jamais faite celle-là. Génial. Bon, alors on lâche et on freine. Bah, c'est ton premier vol de la journée, c'est l'information Alpha. Eh ben oui, c'est pour ça. Alors, virage à gauche, les caps diminuent, la bille part à droite, l'horizon stable, 1200 pieds. Novembre Alpha, le palier. L'Alpha, Alpha, 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 Hôtel Papa, bonjour. Hôtel Papa, bonjour. Hôtel Papa, un DR-400, deux personnes à bord au parking de l'Aigle pour un vol local, information Golf.
moteur. Thank you.
69, 72, voilà, on est dessus. Sécurité, bien ça à droite, on est bon. Route 120, on est dessus. Allez, va bien chercher l'autoroute, on est dimanche, ils sont... on a tous nos riverains chez eux. Si on les embête pas, si jamais on vole au-dessus, on va se faire défoncer. Alors, 2000 tours. S'il n'y a pas de liste de service de retour, il est en train de prendre ce truc. Tu vois l'autoroute à gauche, vas-y, la voie juste pour le temps là, ça va se faire. Vas-y, toi dessus. Encore un peu, ouais. Ah oui, il l'avait tout à l'heure, tu vois. Alors, avec il y a le vent qui vient de la droite, donc c'est à gauche, donc c'est ça. Donc, faut qu'on pense un petit peu d'aller. Thank you.
Là, tu vas chercher les deux petits, enfin, les trois petits bâtiments rouges là-bas, là, et
stable, une petite pompe qui va bien, nickel. Pour le Québec, donc attention, je pense que Christian Romy qui m'en donne aussi que ça va peut-être être mobile, le chronomètre. Tu vois, on touche presque pas le fond du rêve. Donc le lac, voilà le lac, le damier. Une fois qu'on arrive au-dessus de la zone industrielle ici, on va vouloir entamer le virage et le rêve, et comme ça, notre Québec. Alors notre rêve est compensé pour 75 de rêve, on réduit. Sécurité. Tu vois, il se met en descente tout seul. Ah oui, d'accord. On vire à gauche. Oui, Sentinel dans le car pour la station pour Montréal. Ouais, stable. Dans la descente. Et voilà, c'est voulu. Tu utilises la relation vitesse puissance incidence. La descente de l'avion est compensée à 75 mètres. Du coup, il faudra toujours le 75. Donc, on peut lui réduire des tours. Tu lui enlèves 300 tours, tu vas donner entre 300 et 400 pieds minutes. Tu te souviens de celle-là ou pas? Elle remonte à loin. Même route, même sens, très sensible. Il est là-bas, le Delta Fox, tu vois.
avec Michel, Michel Doré. Ok. Ah, pas de nom à la radio. Dommage. Il est en local à la fois que ça part. Il m'a annoncé un local d'Arboré. Bonjour. Victor Novembre, la nuit de Vaux, quoi, bonjour, profondeur 37-31, je vous écoute. 37-31, profondeur, on est de retour de local de personnes à bord vers 400, ville de Sentier à 3 minutes d'écho pour une intégration à un local. C'est Victor Novembre, un peu d'écho. On rappellera écho, Fox Victor Novembre, 37-31, au transpondeur, vous confirmez. 37-31. Déjà la réchauffe, 85, on va chercher le 75. Je laisse le bilan. Tac, tac, hein.
droite, c'est bon. Ça va? Ça va, tu me dis, hein. Si, bon. Si je te charge de trop, tu me le dis. Non, non, ça va. Après, tu vois, ça me permet aussi de me remettre vite comme il faut, s'il le faut. Bon, ça, je me sens bien là, ça va. Ça revient. Ouais, je me sens à nouveau là bien dans le truc. Tant que t'es devant l'avion, ça va. La botte secrète, c'est compensé en vent arrière. Ouais, un peu tranquille. Ouais. Parce que tout se lie à peu près. Et puis c'est un avion qui pardonne quand même. Donc si tu fais tout, même si tu mets la louche du bon côté, ouais, tu y arrives. Il y a des avions qui pardonnent beaucoup moins. Ah, par contre là, il y a une dérive, mais c'est rarement vu là. 800 pieds. Là, il est pas plutôt allé, pas de réchauffe. Hein. On se fait un interro sans voler. Interro sans voler, c'est parti. Alors qu'est-ce que... Qu'est-ce qui va changer dans la vitesse? Ouais. On rajoute, on dit plus, on dit pas, on cherche pas le 65 en finale. On va plutôt être sur les 70 là. Ouais. Donc là mon truc avec la compensation, on oublie. Ouais, oublie. Ouais. Voilà, 1160. Et continue de penser. Je gère le plan avec les gaz et la vitesse avec le manche. D'accord. Si tu vois que tu as 80, oui, cabré, oui, et réduit. Comme ça, tu vois ton avion. Il va. On va dire sa vitesse. Oui. Mais il continuera d'être sur le même plan. D'accord. Ouais. Si jamais tu es. Et avec la vitesse, là, tu peux bien réduire. Et cabré. Et tu peux augmenter sur ta chute. C'est la fin de 6h08 dur, autorisé décollage, vent 110 degrés, 11 à 14 nœuds, trafic super montée initiale dur, tour de piste. Autorisé décollage 08 dur, fin de la fin de sur trafic, tour de piste. La gazonne elle est là-bas. Donc là on est un peu plus haut puisqu'on est sur la gazonnée. Ça y est, décalé.
Ouais, dans l'autre sens, du coup tu devrais être un peu plus bas. Là je fais 860 là. Ok, on s'en fout. 1860, prends pas des repères comme ça. Non, 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 mais... Je renvoie okay. Alpha 6 08 gazonné, autorisé option 20-30 degrés, 11 à 14. Autorisé 08 gazonné, faut. Et tu vois ton plan, deux ouais. Doigts, entre ton point d'aboutissement et l'horizon. C'est tout. Il n'y a pas de 800 ou 850. Et c'est un truc qui revient souvent à l'œil, parce que oui, on est aux, assez, oui. On est aux alentours. Mais ça marche qu'ici. Oui. Donc là, on est sur du 70, on a l'air d'être stable sur le plan. Ouais, j'aime pas les trucs qui marchent ici. Il n'est pas symétrique, mais on est 70. Alors, il est où ton point d'aboutissement là ? Il approche le précédent. Je l'ai visé derrière les chevrons en fait. Ok. Enfin, non, les chevrons. Hop là, par contre, je sais pas ce qui s'est passé. C'est très kilo numéro 2, parce que le précédent Piper final rappelle une habitude de rue gazonnée. Est-ce que ça va le faire ? Il fait kilo numéro 2, trafic précédent, Piper, final, rappelé final, on maintient, voilà. Donc c'est Echo Québec numéro 3, trafic précédent, Piper, trafic précédent, pardon, c'est ça, traversé autour, gazonné, rappelé final, piste 08 dur. Numéro 3, et on rappelle en final 08 dur, Echo Québec, et j'ai pas de visuel. Donc c'est Yankee novembre, piste 08 gazonné, autorisé d'atterrissage en 130 degrés, 9 à 14. Non, mais la moralité, c'est qu'en fait, à la base, j'ai visé trop loin. J'aurais dû viser, en fait, avant le seuil. Ça m'a touché juste derrière le seuil. Et ton point d'aboutissement, en fait, il était au milieu de la piste. Ah oui, d'après, effectivement. Quand c'est comme ça, tu vises ton chevron, et ton chevron, il ne doit pas bouger. Il ne doit pas aller au loin. Sinon, tu vas poser avant. Il ne doit pas passer sous le capot, sinon, tu vas poser après. Et là, on a eu l'exemple. L'exemple de derrière, c'est ça. Et pour gazonné, peut-être pour la dure. Ton point d'aboutissement était après les chevrons, ouais, les deux ils sont passés sous le capot. Ouais, voilà, c'est tout. C'est possible de faire bien regarder. Donc, vous pouvez poursuivre un peu que c'est Eco-Québec. Donc, alors on n'a pas le volet, on a pris la réchauffe, on a pris la pompe et on monte. On va faire un tour de piste sur la dure. Un quoi ? Un tour de piste sur la dure, normal, on va en publier. C'est la présence d'Eco-Québec, là il vire en fait à l'instant. Et tu vas viser le 08. Les visuels, Eco-Québec, merci. Et je veux qu'on touche les rouges juste après le 08 du coup. D'accord. Si tu vises quelque chose, tu vas poser juste après. Non, c'est normal parce qu'il y a l'arrondi. Oui. Mais le 08. C'est la fréquence tout à l'heure. Mais 3.7000, je quitte la fréquence tout à l'heure. C'est mieux, c'est bien. Voilà.
la lampade était bien là. Voilà, ça y est. C'est pareil. Il y a une belle vision là. Ouais, il fait beau. Ça fait 3 jours qu'on se tape du super beau temps. Ah, il est bien stable là. Ouais, parfait. Là, tu vois, tu peux jouer avec là. Tu peux juste enlever des tours et il va se mettre en descente tranquille. Voilà, parfait. Ouais, on voit qu'il y a des petits à-coups sur la vitesse et le prend. Mais ouais. Alors c'est normal avec le vent, elle a un taux de chute un peu supérieur. Foxeco Québec. Le Québec, j'écoute. Foxeco Québec, j'ai visé sur un trafic. Alors si j'avais mis un cran de volée sur le Québec, c'est un Robin qui est en sortie locale. Il sera pas un cran de volée. C'est parti, Foxeco Québec. Ok, donc on vise le 08. Hein. Ouais, et je veux pas qu'il bouge. D'accord. Pas d'un poil. T'as une petite tendance à prendre des points d'aboutissement un peu tard. Ouais. Utilise tes doigts. L'index sur l'horizon, ici. Et le majeur sur ton point d'aboutissement, justement. Pour avoir un plan à 5% à peu près. Les deux doigts à 60 cm, ça fait à peu près ça. Ok, alors je vais mettre dans l'axe. Voilà. Novembre Alpha pour un toucher 08 dur. Novembre Alpha, piste 08 dur, autorisé toucher, vent 130 degrés, ouais. 7 à 14 nœuds, basse-hauteur approuvé, rappelez dernier virage. Basse-hauteur approuvé, Novembre Alpha, ça sera un complet à l'issue, rappel un dernier virage. Le Québec Kilo, transpondeur 7000, quittez la fréquence tout à l'heure. Transpondeur 7000, quittez la fréquence, ça fait Québec Kilo, c'est ça. Yes. Regardez bien là. Alors avec le vent, en plus on se prend une... Là tu vois, on se prend une petite dégueulante, là il arrête de descendre. Là il descend moins. Voilà. Foxeco Québec numéro 1, rappelez final, piste 0. Là je suis dessus là, c'est bien. On va mettre un exercice. C'est bien, c'est bien. On est 70 là. Et on rappelle en finale 08 Gadonia. Allez, je laisse pas partir. On commence à réduire. Voilà, je le tiens bien. Ouais, parfait. Allez encore. Vise encore. Vise encore. Vise encore. Hey, tu me le laisses flotter là. Ah ouais, je sais pas ce qu'il s'est fait là. Hop là. Oh, tu sais ce qu'il y avait? Bah il y avait pas les vols. C'est ça. C'est typique. Ouais. Alors donc on a un cran de volée, la pompe réchauffe. Ouais. On, reste... on vire à gauche là. Ouais. Quand on arrive ici là. C'est ça, on reste configuré. On reste configuré. Alors le bâtiment il est là-bas. En fait tu vises le décathlon. Ouais. Et toujours en virage continu à 20 degrés. D'accord, on est à 20 degrés, avec une symétrique. Le jaune il est là et on cherche 700 pieds. Vas-y, virage continu, virage continu. Virage continu. 20 degrés. Tu veux te retrouver en vent arrière. Par contre la dissymétrie est impressionnante. Hop, on va viser notre antenne là-bas. Ok, voilà, 700 pieds, presque. Et en plus le dimanche ici c'est bien, on n'embête personne. Voilà, 700 pieds. Alors le lac il est là-bas. Demi-tour, pompe, réchauffe, un cran de volée. La piste elle est là. C'est novembre Alpha, piste 08 dur, autorité atterrissage en 110 degrés, 10 à 14 nœuds, trafic Piper en dernier virage pour la Gazonnée. Autorité atterrissage 08 dur, on a visé le Foxeco Alpha. Foxeco Québec, piste 08 gazonnée, autorisé toucher en 110 degrés, 10 à 14 nœuds, trafic courbe, un dernier virage basse hauteur pour la dure. On a reçu pour le trafic et on rappelle en finale l'heure, on rappelle en finale l'orbite gazonnée avec Québec. Je dis tout. On est autorisé à toucher, correction, avec Québec. Bon. On est si convergent que ça là? Ah, c'est bon. D'accord. En fait, ta finale est ultra courte. Les volets pour télé, c'est bon. Ah, ben voilà. Là, pour le devant, 578, papa Sierra, bonjour.
et voilà. Novembre, Papa Sierra, le New Tour, bonjour, je vous écoute. Prenez pas de gaz. Papa Sierra, Cyrus, Sierra 22, en retour de Strasbourg, passe-moi le programme. Ben, on est de sur l'installation. On vient de passer Coulommiers, deux personnes à bord, avec un tempête. Et l'axe. Novembre, Sierra, transpondeur 3730, rappel écho. 3730, rappel écho, Papa Sierra. Confirmé, c'est un Cyrus. Waouh. Un peu plus peur. Ouais. Les timings sont pas les mêmes. Allez, bonjour, non. Fox, Papa. Voilà. Papa, le New Tour, bonjour. Transpondeur 3731, rappelez écho. 1200 tours. On rappelle écho, Fox, ça va. Tac. Le sol, novembre Alpha 08, dur dégagé, demande roulage au parc. Novembre Alpha, derrière le Technam, roulez quitte à sa vie. Derrière le Technam, je roule quitte à sa vie. Ouais, tes timings sont complètement différents. Ah bah oui. Et en fait, le dernier virage en basse hauteur, c'est 30 degrés. 30 degrés, ouais. 30 degrés et en descente. D'accord. C'est pour ça qu'il faut pas diverger, sinon bah tu te retrouves avec ton 30 degrés en descente, bah tu te retrouves dans la tour. Et là tu fais merde. Bon bah du coup, faut que je prenne. Faudrait ressortir si t'avais une panne et que t'avais fait ça. Ouais. C'était bon, parce que tu reviens au sol assez rapidement, donc c'est l'objectif est rempli. Le sol, vous êtes toujours en fréquence. Et le sol, non, on va faire. Ouais, tout à l'heure, il y a quelqu'un qui réclamait des vidéos du Novembre Alpha, c'est vous qui les faites? Ouais. Alors là, j'en ai aucune idée. Novembre Alpha, c'était un pilote? Firme. En fait, j'ai mon brevet là, mon élève qui fait des vidéos, qui met ça sur YouTube, mais sinon, non, on n'avait pas d'autres vidéos ce matin. D'accord, donc on a eu un pilote qui a dit qu'il aimerait bien voir les nouvelles vidéos. Ah, les nouvelles vidéos de Aéromont Bleu, Novembre Alpha. Ça doit être ça. Oh bah je l'ai transmis, il a répondu Fox Tango, enfin, à tout à l'heure. Tout à l'heure. Alors, on va se la faire cool. Du Fox Tango, Tango, fin d'attente au jeu. Ça c'est une belle pub ça. Bah c'est pas mal, c'est marrant. Ouais, mais alors, à savoir qui c'est maintenant. Ouais, bah oui, là je vois pas trop. Voilà, c'est quelqu'un qui sait que je vole et qui... Ouais, sans doute. Qui se dit que... Alors, arrêt moteur, régime, on est à 1200, on est la roulette donnée, le frein d'Alex, on a serré, l'avionic master, bon ben voilà, tout à l'heure. Celui que j'oublie une fois sur deux, de moins en moins. Yes. Alors, t'as vu l'intérêt de la check en finale et en vente arrière? Ouais. Pas oublier des morceaux. Ouais. Bon, je pense que c'est un bon rappel. Tout à fait. En finale, début de finale, tu vas sortir tes volets. Début. T'en début, pas. Ouais. En début. Comme ça, c'est fait. Et tu pourras te stabiliser assez tôt. Ça sert à rien de rusher la radio ou faire autre chose, ou essayer de te battre pour le plan. Tu sors tes volets, bah, pompe réchauffe, volets, les phares, nickel, plus de problème. Ouais, c'est moitié chaud. Et après, tu peux faire ta radio. Yep, tranquille. Ouais. Il n'y a pas de précipitation. Il n'y a que ça comme petit... Il y a des petits oublis, tu vois, en finale, en remise de gaz. Bon, c'est des trucs qui reviennent... qui reviendront vite si tu voles tout seul, ça c'est des trucs que... En plus on a un cockpit particulier parce que des fois je m'occupe de trucs, je te dis je te prends la radio, je te dis je rentre ça. Et encore justement aujourd'hui j'ai fait gaffe de pas te dire je te rentre ci, je te rentre ça. Donc je m'occupais juste de la radio pour que tu aies ouais, plein pour champ. Que les mécanismes reviennent bien. Exactement. Sur... Exactement. La radio, bon vous savez la faire, pas de soucis. Oui. Ouais. Voilà, des petits oublis, donc mets bien en place des petits checks, des petits contrôles avant d'atterrir. Si tu volais sur un avion train rentrant par exemple. Mmh. Ouais, ça serait intéressant là. Le train est rentré, merde. Bon bah remise de gaz. Et quand tu vois aussi, ouais tiens, en parlant de remise de gaz,
t'as vu la piste gazonnée là, un complet, ça aurait pu passer, mais tu vois, on est sur du ça aurait pu passer. Nous, ce qu'on veut, c'est que ça passe. Donc, bah, assiette puissance, remise de gaz, et on fait un tour. C'est pas perdu, hein, on perd 5 minutes. Voilà. Ok. Mais t'es paré. Très bien. Bon, c'est nickel, merci. Et bien, on verra si la météo le permet la semaine prochaine. Et on avisera. Ok, merci Léo. Allez, bah, la prochaine fois. Avec plaisir. Excuse-moi, c'est le lève d'après. We'll be right back.